meilleure production. Alors, ce n'est pas l'original. C'est pas l'original, mais c'est ça ressemble de même dans les 10 ans. Oui. Avez-vous vu une rature là-bas? Une rature? Rocky pie? Non? Aimerais-tu le voir? Oh, on a fait dans un bol de même, chaque petit morceau de lard salé pour le graisser. On combine les patates au set et on quitte cette partie-là derrière. Ça, ça a été la cuisine à Charles et sa femme et l'entrée et notre chambre. Et comme vous voyez dans le pignon, là à la maison, quand ce on pas l'addition de la cuisine à Marguerite, quand ce qu'elle s'est mariée, ils ont haussé le toit et ils ont fait le pignon ici. Et la raison pour le pignon, vous allez voir ça en masse dans les villages acadiens. Et c'est à cause que quand ce qu'il neige, la neige va tomber facilement. C'est ça. Oui, on a quand la neige tombe, ça sent à Ottawa, à Québec. Ça reste là jusqu'à quoi? Avril? Mars? Avril? Ça dépend. Ça dépend. Je sais que ma fille elle a déménagé à Ottawa l'année dernière. Et elle a dit, oh maman, elle a dit, c'est incroyable. Elle a dit, la neige. Elle a dit, ici, cet album est en 1885. Avez-vous entendu le mot 85 avant? Non. Non? Ça, c'est juste dans cette petite partie de l'Acadie, on dit 80. Vous autres, vous disiez 80. Nous autres, on n'est pas bon d'additionner, donc on dit 80. Ça sort de vieux belge, de vieux belge d'avant. Quand on arrive à 60, vous autres, vous disiez 60, on dit 60 ici aussi. Après ça, vous allez à 70. Nous autres, ce n'est pas 70, c'est 70. Qu'est-ce que vous pensez? 7, 70. 8, 80. 9, 90. Donc, ici, c'est même qu'on parle. C'est beau. Oh oui, mais on a retenu ça de le vieux belge d'avant. Donc, on tient ça, et même à l'école, quand on allait à l'école, on disait jamais 85 degrés ou quelque chose comme ça, on disait 85. Donc, la bâtisse, c'est à 2 km en bas du chemin, proche de la grande église catholique. Et elle a été amenée ici presque 7 ans, 8 ans passés, et elle est une forge de nouveau. Aujourd'hui, je travaille sur celui-là. Ça, c'est pour un cheval. Et on a besoin de crochets sur le bout. Ici, on va avoir des crochets. Donc, on fait celui-là. On va aller là-dedans et on va faire un crochet avec celui-là. Et on va tout le tour et celui-là, tandis qu'il est chaud. Je vais mettre celui-là d'un côté juste pour vous montrer quelque chose qu'on peut vous faire. Ça va juste vous me prendre 2 minutes. Et on peut faire ça dans 2 minutes. Tous les forgerons faisaient ça autrefois, tôt dans les 1800. Mais plus tard dans les 1800, ils ne faisaient pas tant ça parce qu'on n'avait pas besoin de le faire. On va vous faire le simple petit clou. Okay, pensez à une bâtisse juste comme celle-ci. Plus que 1000 clous. Donc, le forgeron aura besoin de faire tous les clous. Une affaire que le forgeron aura pas, autrefois, c'était les lunettes à sûreté. C'est pas d'habitude une patch sur un oreille. Mais c'est plus beau avoir des lunettes à sûreté qu'une patch à l'époque.
être là. Comme vous voyez, ça ne prend pas longtemps à réchauffer. Première chose qu'on fait, on a pointé le morceau d'acier. Après qu'on l'a pointé, il faut prendre une mesure pour faire la tête. On le met là-dedans pour prendre une mesure. Et juste une petite tape comme ça. Parce qu'on va utiliser ce morceau ici pour faire la tête. Donc, je vais le réchauffer de nouveau. Je vais le couper presque en travers. Je vais le mettre là-dedans et je vais le casser juste un demi-pouce de plus grand que ça. Et je vais la craser pour y faire la tête. Et on la crase. Là, là, la tête. Et après ça, on fait un petit patron sur le fait de la tête. Là. Tout ce travail-là juste pour un clou. Des galettes blanches comme nous autres dit, les biscuits. Alors c'est ça qu'on va avoir pour dîner. Alors cette petite maison ici a été construite en 1856 par Maximin d'Entremont. Oui. Le nom d'Entremont est beaucoup commun encore aujourd'hui, Monsieur d'Entremont. Je peux très bien la sinon génération en fondateur. Alors c'est plus ou moins tous les gens alentour d'ici, quand on est des d'Entremont, on a toute la parenté. Et vous faites un repas pour combien de personnes maintenant? Aujourd'hui, juste trois. Ça okay. Fait 3 à 6. Alors, il y en a qui est libre aujourd'hui, ça dépend. On est ici les fins de semaine, alors on a besoin de prendre des journées libres ici et là. Alors, aujourd'hui, on est juste 3, mais parfois, on paye jusqu'à 6. OK. Alors, c'est ça. Alors, Maximin, lui, a eu 4 filles et un fils. Puis à ce temps-là, il se chauffait au foyer, il faisait à manger au foyer aussi. Puis dans les toits de sang. Est-ce que ce foyer-là est capable de chauffer toute la maison au complet? Ben. Pas vraiment. Moi, je trouve que ça chauffe vraiment bien la cuisine. Oui, oui. Mais je pense que si le feu n'est pas éteint, là, si ça va toute la journée, toute la soirée, ça chauffe mieux. Mais nous autres, on fait juste ça pour la moitié de la journée. Mais ça chauffe pas vraiment les chambres à côté. Un petit peu, mais pas, c'est pas vraiment chaud. Okay. Et même le grenier, parce que... C'est pas isolé, puis c'est difficile à chauffer. Mais c'est meilleur que le foyer. Pour la bois chauffe bien plus mieux que juste au foyer. Mais pour commencer, c'est tout ce qu'il y avait, c'est un foyer. C'est meilleur que rien. Mais quand il y avait un poêle à bois, je m'imagine que c'était beaucoup meilleur. Est-ce qu'on chauffait les couvertures avant de se coucher pour que ça soit un peu plus chaud? Oui, on chauffe une brique ou un bloc ou une roche ou quelque chose qui venait chaud et on mettait les guenilles autour de ça puis tu mettais ça dans ton lit avec toi. Okay. Alors ça chauffe les pieds un petit peu. Et, oui. Oui. Je m'imagine qu'il venait après du poil pour s'habiller le matin tôt là. Mais en hiver, là, je m'imagine qu'il faisait froid. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui couchait dans ce petit lit en arrière-vous là, tout l'hiver pour mettre le bois dans le feu. Pour le garder chaud. Mais en été, il faisait chaud, en hiver, il faisait froid. C'est ça la vie. Les maisons qui sont ici? Ils sont 6, ils sont 27. Alors, il y a 21 différences, de premier au dernier. Alors, ma belle-mère ici, Florence. Mais on est
Annonce-t-il et son grand-père. Ah oui. Son père se lève. Il a presque 50 ans plus vieux qu'elle. Alors les deux plus jeunes frères sont aussi encore vivants aujourd'hui. Il y en a un qui habite en Nouvelle-Brunswick et l'autre est à Montmagny-Québec. Ah. Ouais. On les appelle les parents hauts. Puis nous autres, on est les parents bas. Est-ce que vous avez entendu cette expression-là? Non? En tout cas, ça vient de parents hauts et c'est à une belle chose. Et ça, il faut mettre sous plate. Et les gorilles, on pouvait les utiliser sur la côte, pêcher de la côte, aller sur la mer, pas trop loin. Mais aussi, on pouvait les mettre dans les goélettes, et les empiler dans l'un et l'autre, et constater sur des bons pêchés, sur des grosses mers, on mettait les hommes dans les gorilles de là. Et la sorte de pêche qu'il y a face à la pêche à molu, avec une ligne à hameçon, et on gigote de la molu. Quand la gorille est pleine de poissons, on retourna au gros bateau et le poisson était salé sur la goélette. Il est en soi-même, mais sur le plafond, ou la place, nous autres dirons, vous voyez la petite corde de coton là, et mis dans tous les craques ici, sur le dessous de la dorée, en utilisant cet outil ici. Il faut même pointer. N'a pas de ferme ni rien. Pas de ferme commerciale. À Pomico ici, ici c'est la plus grosse ferme, deux cochons. Faut 4 poules et une vache et un veau. Mais les gens, ils vivent. Much bigger boat than this one. There's another boat on the other side. You can't see it, maybe? Oh, yeah. There's another boat. Yeah. This one was a tender only used to reach to your boat. That's at anchor. Uh-huh. So 3 pouces encore à la mer. Si c'est une femelle avec des œufs, les œufs en ont dessous la queue et visible en pêcher. À la mer. Ça ne fait pas de différence de grosseur, si que la mort des œufs à la mer. Mm-hmm. Après, s'il est bon pour le marché, et maintenant c'est 3 pouces encore, et si que la mort le corps est 3 pouces encore, il y a à peu près 7 à 8 ans de vieux, et tu peux le vendre partout au monde. C'est ça qui fait que la mesure 3 pouces encore. Le mort va peser à peu près 1 livre encore, 1 livre et demi, et on a assez dans la mort pour avoir quelque chose à manger. C'est ça qui fait qu'ils ont décidé le corps 3 pouces encore. Le homard que tout le monde aimera d'avoir dans leur assiette, c'est un homard de 2 livres. 2 livres. Ok. Tu as juste besoin de le faire cuire 15 à 20 minutes. C'est rapide. La viande est encore tendre. Tu n'as pas besoin de le faire cuire trop longtemps. Celui-là, là. Faisant 20 livres. Celui-là, faut que tu le fasses cuire une heure ou plus que ça. La viande va venir dure ou tough. Là. Okay. Le goût est le même. Le goût est encore là. Mais on va être plus rude, plus mal à manger. J'ai essayé juste une fois, j'étais au Maine et puis j'ai essayé de manger le homard, de chercher la chair à l'intérieur. J'ai eu beaucoup de misère. Vous, ça doit être assez facile pour le faire. Ah oui. On a fait ça plusieurs fois. Vous avez l'habitude. Et on en mange encore. Oui, ça a l'air très bon, c'est juste que moi... On n'a pas arrêté de le manger. Oui, sûrement. Mais pour nous autres, la première chose que moi je vais manger, c'est le foie, qui est la partie qu'on a sur l'autre nom du corps. Et la plupart du monde va jeter ça à bas. Okay. Il ne va jamais le manger. Mais c'est le foie de homard. En anglais, ça s'appelait du tamale. En français, je ne suis pas sûr si il y a un mot pour. Est-ce qu'en début juillet, c'est encore la saison du homard ici? Non. C'est terminé. OK. C'est terminé. Notre saison est fermée. La raison qu'elle est fermée, le homard va perdre sa coquille. Et ça, c'est la température d'eau qui va aider de faire ça. OK, OK. Ça va cause qu'il perd sa coquille. Il va perdre tout autre que les yeux et la bouche. OK, OK. Les yeux et la bouche allons rester avec le vide homard. Le reste, et ça fait penser à un homard qui est fait de jello. Ah, mais là, je comprends pourquoi la saison, OK? OK. C'est pas intéressant. Dans ce temps-là, le homard va faire un trou. Dessous une roche, il va se cacher dans son trou.
Il va perdre sa coquille. Et la première chose qu'il va manger, c'est la coquille qui a sorti d'eux. Il va manger sa vieille coquille. Ah, OK. Ça va prendre 2 à 3 semaines à faire ça. Ah, bon. Après qu'il a fini de manger sa coquille, il va sortir hors son trou. La coquille est formée. Elle a commencé à venir dure. Okay. Et c'est même qui va venir plus gros. Autre que ça, il va toujours être la même grosseur. Ça va, s'il perd sa coquille, la coquille neuve qui va venir va être un pourcentage de plus gros. Et mais la coquille va repousser? Ah oui, la coquille, après qu'il a fini de manger sa vieille coquille, c'est pour le calcium, là, pour faire une coquille neuve. Ça va, s'il ne mange pas sa vieille coquille, il ne va pas vivre. Okay. Il ne va rien avoir pour faire sa coquille neuve. La première chose qu'il mange, c'est... Donc, à tous les ans, il perd sa coquille. Ça dépend combien vieux qu'il est, plus vieux qu'il va venir. Celui-là va peut-être perdre sa coquille à tous les 4 à 5 ans. Okay. Tous les ans. Plus petit qu'il est, plus souvent qu'il perd sa coquille, plus vieux qu'il vient, combien un homard est vieux. On cause qu'il perd tout autre que les yeux et la bouche. Eh bien, la première fois j'entends ça. Que... Ça fait, il va estimer la grosseur, la pesanteur, combien vieux qu'il est. Ça va, il va dire celui-là, 40-50 vieux. Ah oui, ça va, vit si vieux que ça? Ça peut vivre jusqu'à 100 ans vieux. Ah oui. Ça peut vivre jusqu'à une centaine d'années. Celui-là, il va dire 3 pieds de long, 20 livres, 45-50 ans vieux. Le plus gros au monde jusqu'à date est 52 livres. OK. Ça, c'est le plus gros au monde. Mais des gros homards, là, ça ne rentre pas là-dedans. Non. Notre trou n'est pas gros. La porte n'est pas grosse, ça, c'est pour rentrer. Ça. Mais ils ne sont pas très intéressants à manger, les gros. Ils sont meilleurs ceux qui ont 2 livres, vous avez dit. 2 livres, c'est ça que tout le monde va avoir leur assiette là. Ça, c'est l'homard, mais ils ne sont pas tous 2 livres. Oui. Ça fait celui-là. Les trous maintenant sont 9 à 10 pouces. Ça va, ils peuvent rentrer. Oui, ils devaient être immenses. Oui. Et ça, c'est. Mais aujourd'hui, on utilise encore ces cages-là? Non, ils sont toutes faites en métal. C'est ça que ça va sembler. Ça, c'est un morceau de bois avec des verres dans la mer qu'on fait des trous. OK. OK. La même chose avec nos cages. Après un bout de temps, ça tombe au morceau, on est obligé de nous faire des neuves. Des nouvelles cages? Nouvelles cages. En cause qu'ils sont pleines de trous et tu ne peux plus les réparer. Mm. Les arcs ici, toute la force, plein de trous. Les nouvelles cages en métal durent combien de temps? Les nouvelles cages peuvent durer, ça dépend où tu vas les mettre. Oui. Mais ça peut se faire qu'ils sont bonnes pour 10-15 ans. Au lieu de 5? Au lieu de 5. D'accord. Et un pêcheur qui va à la pêche au homard, à lui, est-ce qu'il a beaucoup de cages aujourd'hui environ? Minimum, c'est combien il a? Aujourd'hui, si tu as une licence pour faire la pêche au homard, oui. Quand ils ont donné la licence, ils ont donné 375 affaires sur des tags comme ça. OK. Tu es obligé d'en avoir une par cage. 375. Tu es obligé. Si tu n'as pas de tag ou d'affiche, tu la perds. Département de pêche et océan va tirer, pas de fiche, pas de tag. Est-ce qu'il va avoir une amende parce qu'on a eu trop de cages? Parce qu'il n'y a pas ça? Tu perds ton permis. Le permis, on l'a perdu. Le permis est juste, t'es permis 375 par licence ou par permis. T'as triché, tu perds ton permis. Perds le permis, OK. Oh. C'est, tu vas perdre quelque chose, peut-être plus que ton permis. Ah, OK.